Bonjour à tous, on se retrouve une nouvelle fois, toujours dans le cadre de la Ligue fermée de Kouinski, la Kouinski Challenge Cup, avec mes elfes noirs et des perfides nains, avec un magnifique roule-mort en premier plan. Et ben ça fait peur. Alors, on va causer un petit peu de ce match, on l'a joué hier. Donc c'est l'occasion d'en faire un petit descriptif à chaud. Alors, je gagne le toss de mémoire. Donc les nains se placent en défense. Alors, de mémoire, il y a un tueur de troll avec châtaigne. Il a un coureur avec bloc, l'autre n'a rien. Et je crois qu'il y a une, deux, trois gardes. Ouais, je crois bien que c'est trois gardes. Un, deux et trois gardes. C'est ça. Bon. C'est un match qui fait un peu peur, hein. Primo parce que bah les nains, quoi. Et puis bah, Deuxio, je connais bien mon adversaire, c'est un bon basher. Qui a pas eu très très chanceux jusqu'à présent et je suis quand même pas très très je suis pas rassuré. Alors je vais causer vite fait de mon équipe très rapidement. Et donc j'ai ma petite furie qui est de retour avec blocage. J'ai un 3 quarts avec bloc, j'ai un 3 quarts avec lutte, j'ai un blitzer avec esquive. Et puis chez toutes, j'ai mes 3 rerolls. Je me suis pris un appo supplémentaire, si on avait une différence de 90. Donc j'ai moché un peu dans la caisse en me disant je vais quand même prendre un appo, j'y crois pas trop. Soyons raisonnables. Et puis en avant Guingamp. Donc météo pour le coup d'envoi, Clément. Alors vous allez voir mon placement d'attaque. Je fais une petite pause déjà. Je mets personne en face de ces nains. J'ai pas envie de jouer le contact. Les seuls mecs que je vais avoir relativement envie de taper, ça va être le tueur de troll, pas celui d'armure. Si j'arrive à taper de temps en temps un coureur, ça me fera plaisir. Si jamais il n'en a plus qu'un, bah, pour ramasser la balle sera plus dur. Et puis bah voilà, comme il a de la garde, d'ailleurs sur sa losse de mémoire il place une garde là, il faut que je mette trop de joueurs en face pour taper à 2 dés voire 1 dé, enfin 1 dé même au début. Donc j'ai pas envie. Donc je me place de manière assez atypique. Habituellement avec les elfes noirs j'ai pas peur, mais là je suis pas rassuré. A noter aussi que j'ai un solitaire dans l'équipe, je sais plus trop où il est. Mais voilà. Alors qu'est-ce que je fais? J'amène un type derrière pour aller bâcher le tueur de troll à 2 dés. Pan. On le met au sol, paf, ça fait plaisir, on passe l'armure, ah, et non, il sera sonné, c'est déjà pas mal. Et puis bah voilà, je décale un petit peu mon joueur. Je vais faire une espèce de petite ligne défensive, vous allez voir ici. Et puis bah ma foi, je vais tenter d'attaquer de par la droite. Voilà. Enfin, pour le moment, hein. On va voir que ça va changer. De toute façon, j'ai jamais des plans très déterminés. Alors, je vais coller un petit écu avec blocage près de la balle. Sur un malentendu, je préfère. Je joue le ramassage qui me revient dessus. Enfin, voilà. On n'est jamais trop prudent, hein, chaud. Je vais ramasser la balle avec un blitzer. Pour la bonne raison que c'est un blitzer qui est à 5 d'XP. Et je veux lui faire une passe pour qu'il monte à la fin du match. Si. Il survit. Alors, que va-t-il faire le coach des pilous? Eh bien, il va coller. Ben oui, hein, quand on est un nain et qu'on a de la garde, on va pas se gêner. Hein. Donc, il va coller bon nombre de mes joueurs. Et puis, il va blitzer un petit quart. Vous allez voir lequel après. Voilà, il emmène celui-là en arrière. C'est celui qui n'a pas blocage. Il continue de coller. Il met sa garde là, il vient blitzer à 2D. J'ai bloc, je suis content. Donc je ne tombe pas. J'ai un peu la gorge en feu. Je risque de pas avoir ma voix la plus. ma voix de diva la plus douce et sirupeuse.
suis désolé. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais décaler un petit peu le porteur de balle, mais voilà, de par la droite, on reste un peu au fond. Il n'y a pas d'urgence, faut pas marquer trop vite. Je viens amener un soutien sur lui. On tape à 2D sur celui-là parce que j'ai amené un petit soutien. Il passe une armure, ma foi, on est content. Du coup, je poursuis. Et puis, je vais déclarer mon blitz sur lui pour pouvoir après libérer mes joueurs avec des esquives de manière plus simple. Et je repasse une armure. Là, autant vous dire que mon adversaire était un petit peu déçu. Alors, je mets un dé sur lui. Ça le repousse. Au final, je l'ai tapé, j'avais oublié. Et puis là, j'imagine que je vais esquiver. Pas grand choix. Voilà, on continue. J'ai un marqué celui-là de deux joueurs. Ah non, je suis resté en contact. Ah, j'ai pas eu le temps de finir mon tour. Je crois que je n'ai pas eu le temps de finir mon tour. Bon, bah, il me tape et il met un petit brave KO. Eh oui. J'ai hésité à balancer la peau, hein, mais on est au tour 2. J'ai deux appos et j'ai envie d'avoir un maximum mes joueurs pour tenir une ligne défensive, mais je l'ai. Bon, je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait. On verra si c'est une bonne idée ou une mauvaise idée. Et bah lui il bâche, hein, de toute façon, il va cercler mes joueurs, les marquer et puis taper. Essayer de vraiment d'arrêter mon avancée. Hein. Il veut vraiment pas que j'infiltre des elfes, il a bien raison. Et puis il va commencer à avoir des séries de dés un petit peu très malheureuses quand même. Hein. Donc il loupe un premier paquet. Et puis maintenant il tape à 2 dés sur mon blitzer. Alors là celui-là pour se barrer ça va être coton. Hein. Et puis ma foi il va blitzer avec son tueur de troll. Et me met au sol. Bon! On va commencer par le blitz. Mon idée c'est de dégager lui pour me faire un passage et m'infiltrer par là. On fait une flèche, c'est pas grave. Elle a frénésie. Cette fois-ci elle fait tomber. Plutôt content. Je vais avancer ma frénésie. Ma frénésie, ma furie. Et puis ma foi, je vais faire ma passe. Sur lui. J'aurais préféré la faire sur l'autre, mais c'était un 3 plus, j'avais pas envie. D'ailleurs, je crame une relance parce que j'arrive pas à faire deux. Pardon. Je reçois la balle et je me sauve. Forcément. Et maintenant, l'idée, ça va être de protéger un maximum le porteur de la balle. Donc je fais. C'est pas une cage, hein, mais je viens mettre des types ici pour l'empêcher de venir par au-dessus pour blitzer. On vient mettre une autre zone de tacle. Lui, j'avais le choix d'esquiver, de me placer là ou ici. Je fais une petite pause, c'est un plus simple. J'ai plus de relance. J'ai pas osé. 3, 4, 5, 6, j'aurais pu me placer là. Parce que ça faisait encore de la zone de tac pas évidente. Alors que là, vous verrez, il y a quand même des solutions avec des esquives et des paquets. Mais j'ai pas voulu le faire et j'ai eu raison parce que la première esquive que je fais à 2+, belle passe pas et je prends un KO. Bon, et ben que va-t-il faire? Eh bien, il va relever, il va commencer par coller. Alors il met un tacleur au pied de ma furie, hein, tout à fait logique. Il vient marquer les gens, comme ça lui pourra se barrer difficilement. Ici, il continue de bien marquer. Il envoie le tueur de troll sur lui. Il va emmener son ramasseur de balles collé à lui. Comme ça, le tour d'après, il peut se débarrasser de lui et aller ramasser la balle au cas où je l'ai plus. Lui, il va marquer ce joueur-là. Son idée, c'est vraiment de me forcer à faire des esquives. Hein. Et là, lui, il esquive. 3 plus. Je crois qu'il y a un paquet ou deux, je ne sais plus. Et il me flash. Donc, je perds la balle. Bah, pas bon du tout. Donc je perds la balle, le rebond n'est pas très favorable, mais bon. On va faire avec, on joue elfe, hein, donc on peut essayer de se démerder quand même. Là, il tente une esquive qui ne passe pas. Après, c'était une esquive pas évidente, hein, c'était quand même du 4 plus. Je fais une petite pause. Donc voilà, vous avez vu, hein, j'aurais préféré mettre ce mec là. Il aurait pas pu esquiver comme ça pour aller me choper mon porteur de balles. Maintenant j'ai bien fait, mais ça je pouvais pas le savoir parce que j'ai loupé ma première esquive. Mais tactiquement ça aurait été mieux de faire ça. Mais sans reroll, j'avais plus envie.
Voilà, j'aurais préféré. J'aurais une relance, je l'aurais fait. Mais quand j'en ai plus, je préfère pas. Je préfère qu'il ait une esquive à faire que pas d'esquive, tout simplement. Alors, moi, je vais décaler mes joueurs pour marquer celui-là. Le blitz à 2D. Alors, je le repousse, mais j'ai pas besoin de beaucoup mieux. Lui, il va coller son porteur de balles. Là, je prends des risques. Et j'avance la furie qui va pick up. C'est un 3+. Elle esquive un 2+. On est au tour 4. Je vais prendre le risque de pas marquer. Maintenant, je vais faire des esquives avec ces gens-là pour les libérer. Elle passe. Donc là, je suis plutôt heureux. Voilà. Je vais libérer. Celui-là, je le laisse coller pour laisser ce joueur-là. Là, j'arrive à faire mes esquives de folie. Par contre, je me bloque celui-là, ce qui est pas très heureux. Et donc, je voulais faire un dé sur le tueur de troll, mais bon, c'était pas la meilleure des idées. Je pense que lui, j'aurais dû le mettre là et faire une esquive à 2+ pour venir là. Ou ici, ça aurait protégé un peu mieux mon porteur de balles. Encore une fois, il peut esquiver puis me revenir comme ça. Alors que si j'avais mis un petit gonze là, bah, il aurait pas pu la faire de la même manière. Mais bon, encore une fois, je teste des choses hein, aussi. Je jouais pas elfe véritablement avant la sortie du jeu. Voilà. Et puis de toute façon, il faut gagner des tours. Je vais faire une petite pause peut-être, puisque je vois. Voilà. Pouf. Blitz ici. Il me met à deux joueurs. Il me met par terre. Il me met 2D, pardon. Je me suis laissé enduire d'erreur. Bon, vous avez vu, là, il cherche pas à aller choper le porteur de balle parce que de toute façon, il sait que je pourrais pas contrôler un tour de plus que je vais marquer à mon tour 5 et que du coup, ça lui laisse suffisamment de temps derrière pour pouvoir égaliser et puis après avoir une deuxième mi-temps complète pour pouvoir aller me taper. Alors, il fait une esquive pour coller ma porteur de balle, porteuse de balle, il a bien raison, ça m'obligera à faire un jet de dé. Moi quand je l'ai vu là, le porteur de balle, j'ai voulu faire une esquive et blitz avec elle pour le mettre dans le public. Sur un malentendu, si pour une blessure, ça fera plaisir. Bon, donc c'est ce que je fais. Esquive, blitz avec la furie, je l'envoie dans le public, mais pas de blessure. Voilà, pour cette petite début de mi-temps. J'ai mon cher Kowenski qui m'envoie des messages, du coup ça me trouble. Alors, je vais laisser passer un peu de générique, ça va prendre 30 secondes, ça me permet de gérer un autre truc en même temps, je suis désolé, on fait ça à la cool. Et puis voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Oh là là, le mec vraiment scandaleux quoi. Je suis même pas ce qu'il est en train de faire. Bon, mon KO reste au KO. Il aura une deuxième chance après. Et puis ben, là, il rentre le roule-mort. Ouais. Alors j'ai un doute. Il me semble bien que le roule-mort, tu le rentres pas là, que l'espace où je place ma défense. Mais que le roule-mort sera sur le terrain après. Donc je place ma défense, bon un petit peu comme d'habitude, c'est-à-dire je vais mettre 3 linemen sans compétence sur la losse avec le solitaire. Et puis je vais faire 2 lignes de 3 gugus avec des types à peu près protégés. Donc là je vais mettre un bloqueur ici, mon lutte au centre. Là je mets pas de blocage et puis je vais laisser 3 bloqueurs derrière, celui à bloc et puis la furie. Ce qui me fait une deuxième ligne assez mobile et puis avec des compétences de bâche qui me permettraient de l'embêter si toutefois il m'en laisse l'opportunité. Voilà, donc voilà, il enlève bien son roule-mort hein, du terrain, tout simplement, parce qu'il a bien raison, il a suffisamment de joueurs pour pouvoir l'avoir pour toute la deuxième mi-temps. Alors, il gagne une reroll, est-ce bien nécessaire? Vous allez voir que oui. Et puis bah, il va commencer à bâcher, donc il met une garde hein, au milieu de la losse, normal. Comme ça il va taper à 2D. Alors là il est pas content parce qu'il fait des flèches. Il a raison d'être pas content, je serais pas content aussi à sa place. Hein. Ah, ça fait jamais plaisir quand vous projetez d'ouvrir des elfes qui ne tombent pas. Là il vient taper un blitzer. Il relance de rage et de colère.
et met au dé, au sol, pardon, avec, avec 6 dés, hein, en tout. Donc voilà, là il vient cercler méga. Toujours l'idée de marquer un maximum d'elfes pour m'empêcher de m'échapper, d'aller l'embêter derrière. Et puis ça lui permet à la fois de protéger son porteur de balles, de se permettre après de se faire peu taper, parce que comme il a 4, 3 gardes en tout, je vais quand même avoir du mal à déplacer beaucoup de gens pour pouvoir mettre du 2D ici et là. Alors même si ça reste du 2+, avec de l'agilité 4, hein, les esquives, c'est quand même des jets de dés, vous savez que je suis pas très friand d'en faire trop. Alors, ben moi je vais cibler son tueur de troll, hein, je l'avais dit au début. Je reste dans cette idée. Donc, pend le tueur de troll. On le couche, on passe pas l'armure, c'est pas grave. C'est armure lui, tiens, à un moment donné, ça peut passer. Et je viens amener ce brave ici pour que lui puisse après taper à 2 dés. Vous allez voir, voilà. Donc, je tape celui-là à 2 dés. Pan. On repousse, bon, c'est pas énorme, mais c'est mieux que rien. Celui va pouvoir taper à 2 dés. On va repousser aussi. Mais là, je vais suivre parce qu'il tombe au sol. Celui-là va à son tour taper à 2 dés, celui qui est là. Pan. Et puis, ben, ma foi, j'ai plus que deux elfes collés à un seul nain. Donc, je prendrai pas trop de baffes. Et puis, lui, il va pas beaucoup avancer son tour prochain. Tout du moins, s'il veut avancer en ligne droite, maintenant, il peut changer de côté. Hein. C'est d'ailleurs ce qu'il va faire de mémoire. Voilà. Ce qu'il s'empresse de faire. Il blitz avec sa châtaigne. Et il veut tomber mes mecs, hein, avec sa châtaigne. Bon, bah la châtaigne marche pas. Tu vas aller l'allumer. Il est diesel, hein, ton tueur de troll. Et puis bah, maintenant, il va commencer à faire du 2D là où il peut. Quand on est nain, il faut taper beaucoup pour ouvrir l'équipe en face. Hein. L'idée, si vous couchez l'équipe en face, bah, elle va se relever et faire peu de choses. Vous, ça vous permettra le tour suivant de mieux vous placer. Et puis plus vous tapez, plus vous avez de chances d'ouvrir des armures. Alors là, il fait un paquet qui loupe. C'est pas le premier, mais bon, un paquet qui loupe. Donc il relance. Là du coup, il vient placer son porteur de balles ici. Et avec l'autre, il va aller fermer la cage. Donc c'est une belle défense naine, hein, quand même. Y a rien à dire, hein. C'est-à-dire que si on, je fais une petite pause parce que je trouve que vraiment la cage, c'est pas une vraie cage, enfin c'est presque une vraie cage, il manque un gugus là, mais c'est une cage, hein. Mais en fait, vous voyez, il a un rideau ici qui m'empêche d'aller choper ici ou de contourner puis mettre de la pression derrière. Et il a aussi avancé un gars là, ce qui va m'obliger à faire tout un détour si je veux revenir sur ces joueurs-là. Donc ça c'est vraiment bien, hein, un espèce de double rideau devant la cage pour empêcher. À la limite, vous verrez qu'en faisant ça, il n'y a quasiment plus besoin de lui, il n'y a plus besoin de lui. Bon, après il y a ces gens-là, là je peux faire de l'esquive, mais c'est du 3+, faut tomber lui, c'est plus simple. Il y a de la garde, compliqué. Une belle attaque, je trouve. Alors qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais repartir un peu sur ce flanc-là, je vais envoyer la furie pour taper lui. Bon, voilà. Là, on va faire une petite esquive. Non, on fait pas d'esquive, on continue à bâcher, effectivement. Je continue à bâcher pour garder un bon angle ici. Et après, je vais décaler mes joueurs de par là-bas. Voilà, je me souviens. Et puis, bah, dès que je vais pouvoir taper à 2D, je vais taper à 2D, hein, tout simplement. Là, c'est vraiment l'idée. De la chose. On fait un double skull, c'est mal joué, donc on relance. On repousse. On va préférer mettre au sol, mais bon, ma foi. On va faire un esquive, puis on va placer celui-là par là-bas. Là, j'ai cramé ma lance, je fais pas un seul paquet. Je fais une autre esquive, et puis bah deuxième esquive qui passe pas. Il y a des tours où j'en passe plein, et puis pas forcément des équipes à... Enfin, pas forcément des équipes à 2. Ah, ouais, c'est ça. Ah, il commence son tour par un double crâne, hein, et ça, c'est pas très très bon. Parce que ça va l'embêter fortement, vous allez voir. Et c'était sa dernière reroll. On est au tour 7. Donc là, il faut quand même qu'il avance grandement, hein. Il a bien avancé, mais... ouais, c'est pas idéal, hein.
C'est pas idéal pour lui, très honnêtement. J'ai mon chat qui me saute dessus, tout va bien. Alors, donc il continue à marquer ces gens-là. Lui, il va l'amener là pour m'obliger à faire des esquives. Lui, à le bloquer, à le taper à 2D. Et puis, ben, ça m'en sert un peu. Et de mémoire, je crois qu'il va revenir un peu par derrière aussi. Pour fermer encore par ici. J'ai ça en tête, mais c'est peut-être pas à cette mi-temps-là. Non, c'est pas à cette mi-temps-là, effectivement. Donc, bah, il continue à marquer mes joueurs. Il avance son porteur de balles, qui est semi-protégé, hein, parce que moi, il suffit que j'aille là pour aller le taper à 1 dé ou 2 dé. Puis voilà, c'est là. Pardon, je passe du coq à l'âne. Et lui, il vient vraiment fermer, comme je disais ici, pour bah, que je puisse pas faire d'esquive facile avec lui, ni avec lui. Alors, on y va avec la furie. Je viens me mettre ici pour lui, qui a lutte, taper à 2 dés. On met au sol. Ça c'est bien. Alors je ne suis pas parce que si je suis, j'aurais pas le mouvement pour passer par là sans paquet, sans connerie comme ça. Alors je tente pas. Et j'y vais à un dé. Ça passe pas. C'est la déception. Mais ma foi, je vais verrouiller ce côté-là. Alors là, je fais des esquives qui sont heureux. J'aurais mieux fait de commencer par celle-là. Hein. Voilà. Je loupe. Je vais utiliser ma dernière relance. Voilà, un de plus. Et puis bah là pour lui c'est très compliqué. Hein. Lui il va faire le tour et marquer celui-là. Sur pas grand chose, mais. Puis ces gens-là ils vont se relever. Et lui il va peut-être faire une esquive. 3 plus 2 plus. Ouais voilà, bah, 3 plus 2 plus. Et je crois qu'il va rester là. Comme ça, là pour passer, pour lui, c'est vraiment très compliqué. Très très compliqué. Donc là j'ai une défense qui à mon avis devrait passer. Surtout que premier jet de dé, il fait un skull. Plus de relance, c'est le temps de. Bon, il aurait eu beaucoup de mal à passer, hein, c'était pesable, mais il aurait fallu des GD et ma foi, dès que vous faites des GD, vous prenez une chance de louper, la preuve, hein, même un 2 plus avec blocage, hein, enfin un jet de blocage avec bloc, bah vous faites un skull sans relance, le tour s'arrête. Eh bien, on va replacer la même défense, après tout, et lui il va placer. La même attaque, si ce n'est qu'il va enlever un pécor pour mettre un bon gros roule-mort. Il gagne encore une relance. Et on verra si il en a besoin. Je suis toujours à 1-0. J'espère le nul, hein, honnêtement. Et cela, je vais en prendre 8 tours de ça. Je pense bien que je vais prendre 8 tours de ça. Donc, je suis vraiment pas. Je suis pas serein. Donc on prend un KO pour commencer. Bon bah. Faut pas dire que le roule-mort soit dégueulasse. Hein. Il blitz avec son tueur de troll. Pour pas changer la châtaigne, hein, c'est pour ça. Hein. Il va remettre 2 dés. Il refait double flèche. Qui relance parce qu'il a gagné une relance et que ça l'énerve de ne pas pouvoir jouer avec sa châtaigne. Hein. Et la châtaigne passe pas. Pas de bol de ce côté-là, ça c'est indéniable. Je pensais vraiment prendre beaucoup, beaucoup plus cher. Il ramasse la balle avec son coureur qui a bloc. Normal. Ici, il va venir marquer ce joueur-là. Lui, il va le remettre en arrière de mémoire pour verrouiller le passage. Bon, je suis loin, hein, mais il a raison. Et lui va l'amener en arrière aussi pour avoir quelqu'un de disponible. Soit pour venir couvrir là, couvrir en arrière au cas où. Et puis bah parce qu'il bloque ici, hein, il n'y a pas de passage comme ça, à moins de faire des grosses esquives. Bon, et ben on va commencer par taper le tueur de troll. Parce que c'est comme ça. On y va à 2 dés. Bon, on passe pas l'armure. Bon, tant pis. On se replace un petit peu au centre. Et puis bah là, on va faire quelque chose d'assez simple. J'ai envoyé ce petit gars ici pour l'embêter. Je dirais que ça va pas l'embêter grand chose, mais ça va pas lui donner la possibilité de venir s'installer là. Forcément, il va être obligé de revenir vers le centre. C'est pas une vraie menace, hein, mais c'est plus pour mettre une zone de tacle autour de lui. Ou alors l'obliger à blitzer celui-là s'il veut se placer là. Donc voilà. Et puis bah après je fais des esquives et je me replace à peu près au centre pour faire un espèce de double rideau. En sachant qu'on va jouer au chat et la souris toute la mi-temps. Moi la seule peur que j'ai c'est à un moment donné que c'est que les armures finissent vraiment par craquer. Et puis une fois que c'est craqué. Hein, donc, voilà. Alors il place son roule-mort entre deux joueurs.
Enfin, 3 joueurs avec celui-là aussi, ça c'est bien. Pan, il recouche mon blitzer. Toujours pas la châtaigne qui passe. Déception, la déception, monsieur. et puis bah, il va reconstituer une cage hein, de toute façon entre ses gardes, son roulement à 7 de force, ses bloqueurs et ses tacles. Vous doutez bien que je vais pas m'amuser à faire le foufou pour essayer de faire tomber le porteur de balle au tour 10. Hein. Je tenterai ça plus tard. S'il y a une opportunité valable. Bah, là on fait un truc simple, je fais des esquives. Moi l'idée c'est que s'il avance que d'une case ou deux cases par tour, il aura du mal à aller au bout. Donc je vais essayer de le bloquer dans son avancée comme je vais pouvoir. On a quand même deux joueurs en moins. Bon c'est que deux KO, hein, mais c'est quand même deux joueurs en moins. Et me dire qu'on joue elf, c'est pas comme si c'était quelque chose d'improbable. Hein. Alors lui je le place là, toujours pareil, pour aller taper son tueur de troll. Alors par contre j'aurais mieux fait, voilà, de pas faire un double skull déjà. Non, j'aurais peut-être mieux fait de le taper là et de le mettre ici. Je sais pas pourquoi j'ai... Parce que là du coup son tueur de troll reste en contact. Bon, après peut-être que mon idée c'était d'avoir un gars un petit peu plus par là pour couvrir à peu près tout le terrain. J'imagine qu'il y a un petit peu de ça. Alors, que va-t-il se passer after that? Voilà, super, un point de vue impeccable. Et ben ma foi, il vient coller, hein, le rôle mort, comme d'habitude. Il vient jouer du 2D, pas avec le tueur de troll cette fois-ci. Et puis ben, vous voyez, là il va prendre l'option, hop, de rattaquer. Certainement sur, sur ce flanc-là. On va voir, on va voir. Il continue de coller mes joueurs, hein, c'est tout à fait logique. Juste pour vous montrer, hein, il a une garde qui est placée là, qui est vraiment très bien placée, parce qu'avec le 7 de force là, lui, je peux me barrer ici sur du 3+, ou du 3+, là je suis à 3 décontres, là je suis à 2 décontres, lui il a garde, donc du coup lui il va être à 2 décontres, lui il va être à 3 décontres, ces gardes sont tout le temps très bien placées, donc autant dire que je suis obligé de faire très attention à mes jets de blocage. Bon, dans le jeu ça s'allume avant, donc c'est plus facile. On voit si vous avez 1-2, 1-dé, 2-dé ou 2-dé contre. Ou 3-dé contre, hein, parce que contre le roulement j'étais à 3-dé contre. Allez, pan, une petite esquive ici. Ici on se place. Alors l'idée c'est de resserrer encore une fois son équipe de ce côté-là. Et puis là on va jouer un petit peu du jet de blocage, je sais pas quoi faire donc je tape. Après tout, je vais essayer de mettre du 2D un maximum pour maintenant le faire reculer. Alors je fais une sortie, ça c'est une bonne nouvelle parce que ça lui fait un nain de moins. Et d'autant plus quand c'est un nain qui a garde. Hop, vous voyez, je marque ces joueurs à mon tour. Je vais essayer de jouer un peu funky hein, parce que je vais taper un 1D, pas toujours avec du blocage. Bon là lui la lutte. Mais je tente des choses quoi. Là on fait un 3+, on met un dé, on fait un skull. Alors l'idée c'est si j'avais tombé celui-là ou le repoussé, je serais venu coller son porteur de balle. J'ai tenté ça parce que 3+, bon c'est pas dégueu, ça se fait. Hein. Et puis un dé, il a pas bloc. Moi j'avais bloc. Bon. Alors, bah écoutez, il va continuer à avancer par là. Mais là, son équipe, elle est quand même beaucoup moins soudée. Donc c'est beaucoup moins safe pour lui, vous allez voir. Donc il vient recoller par là. Il est obligé de rapatrier une partie de son équipe pour venir là. Pour pas que je puisse hop, passer par derrière et aller choper son porteur de balle. Donc il colle son roule-mort ici. Ici il amène une garde. Forcément c'est le bordel pour moi. Il défonce la tête de mon 3/4 qui est solitaire. Voilà. Avec l'autre, il vient marquer ces gens-là. Et puis il avance son porteur de balle. Alors là je suis pas du tout serein. J'étais content de mon tour d'avant. Mais là, là c'est 4+ pour me barrer. C'est compliqué. Alors on commence par mettre du 2D sur sa garde. On la tombe. Ça me permet de libérer ce joueur. Entre autres. Hein. Je fais une esquive. Je viens me placer sur lui. Je vais blitzer avec mon TQ qui a bloc sur lui à 2D.
Je ne le tombe pas. C'est la déception. Alors, je fais une petite pause. Mon idée, c'était que si lui, je le tombais, je poursuivais. Je l'aurais poussé là. Et puis, hop, je serais venu coller, à mon avis, ici. Et puis, lui, j'aurais juste relevé. Puis après, bah, j'aurais tenté des esquives. Hein, pour me replacer. Bon, quand ça passe pas, on va faire du 1D. Avec blocage. Pas de raison. Hein. Donc, on va pousser ses joueurs. Lui se relève. On va remettre un dé sur, sur la garde de mémoire. Voilà. Bon, on l'écarte. Et puis, bah, ma foi, c'est pas mal hein, pour un tour. Alors, lui, il va jouir de. Il va jouir. Il va avoir peu de, beaux jets de dés, vous allez voir. Et ça va pas l'aider beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il tape. Et vous voyez là, quand vous êtes un nain et que vous êtes resserré comme ça. Même si vous tombez les joueurs adverses, mais que vous n'avez pas la distance pour marquer, il va faire ce que ce qu'il faut faire dans ces cas-là. Il faut changer de côté. Mais c'est vrai pour un nain, mais c'est vrai pour toutes les équipes. Hein. Quand vous attaquez d'un côté et que c'est verrouillé, que vous voyez que vous ne pouvez pas y aller, bah, il ne faut pas y aller. Il faut se barrer, il faut changer d'attaque, il n'y a pas le choix. Il fait une esquive en force avec son roule-mort pour taper ma petite furie, ma pauvre petite furie. Il fait un pot. Et l'armure ne craque pas. Alors ça, ça me fait plaisir. Puis bon, il continue à exploser mon petit gars là. Alors là, par contre, vous voyez, ça va être, il refait un skull, il relance, il refait un skull. Là, je vais faire une petite pause, si c'est possible. Ça m'a fait la même blague que la dernière fois. Bon, ben c'est pas grave. Je vais devoir arrêter, reprendre le match, je crois. Ah non, c'est reparti. Formidable, quel talent. c'est la pause, c'est magnifique. Donc là, vous voyez, son porteur de balles est tout seul. J'ai ma furie qui est là. Je vais lever quelques braves pour rester collé à ces mecs. Puis pour les laisser marquer. Et puis je vais tenter ma chance. Parce que là, c'est son double skull, là, son skull relance skull. Le fait de ne pas pouvoir protéger le porteur de balles et puis de cet enferré là, ça va me solutionner des choses. Alors je voulais taper celui-là pour le virer et libérer deux joueurs. Bon, ça n'est pas passé, mais je tape quand même avec l'autre. Ça n'en libère qu'un, mais c'est pas grave. J'ai relevé mes gars, vous voyez, comme ça quasiment tous ces nains vont être marqués. Lui, il va venir juste ici coller le roule-mort. Et on y va avec la blitzeuse. Elle est magique, hein, furie magique. En plus elle blesse. Autant dire que bah après il a plus que son autre type pour ramasser la balle qui lui n'a pas blocage. Elle ramasse la balle et elle se barre. Alors là, je fais un premier paquet qui passe pas. C'est la déception. Je relance, j'ai pas le choix. Et je ferai pas le second. Pourquoi deux paquets? Parce que 1, 2, 3, 4. 5 blitzables. Là elle est plus blitzable par les mecs qui ont tacle. Alors vous allez me dire il faut virer cela, il y a des esquives. Mais il a du personnel hein. Lui la garde, paf, celui-là il le dégage à 2D avec son gars là ou à 3D avec le roule mort. Et puis 1, 2, 3, 4, un paquet, deux paquets et il tape la furie. Donc elle avait besoin de faire au moins un go for it. Je l'ai pas fait juste pour la beauté du geste. Très clairement. Bon bah il retape. Je fais mon dernier blocage sur lui, j'aurais bien aimé le faire tomber, c'est pas marché. Et puis bah voilà, il va taper sur lui. Son idée c'est de libérer un de ses joueurs pour pouvoir les blitzer. Il refait un double skull. Là c'est les enchaînements hein, qui le mettent dedans. Il passe l'armure, mais ça n'a plus grande incidence. Il vient coller celui-là. Il met 2 dés avec lui pour libérer sa longue barbe. Son coureur, pardon, j'ai des conneries. Il tombe pas mon gars, donc il fait une esquive, il y va. Il met un dé sur esquive blocage, il fait le pot. Mon dieu, c'est la tristesse. Donc je tombe, je perds la balle. Voilà. Ah oui, puis il met un dé sur le pécor qui est là-bas. Puis lui, il va l'avancer. Et il voulait couvrir la balle, donc il fait des paquets. Mais il a raison, il a raison. S'il vient là... Il met une zone de tacle en plus. Et malheureusement ça passe pas. Voilà, c'est pas les bons jets de dés. Pour lui, c'est indéniable. Hein.
Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais taper un peu ces petits braves avant toute chose. Comme ça me permet de libérer celui-là. Ça libère pas tant que ça, mais. Là on va faire une esquive pour couvrir le ballon. Je fais une esquive. De plus, on ramasse de plus et on court. Et là, je tente pas de paquet, j'ai plus de reroll. Hein. Tant pis. Hein. Là l'idée c'est même si elle tombe, si elle se fait chipper la balle et que. Tant pis, je veux dire, si je perds la balle là, ça va être une misère pour lui de revenir et marquer. Donc là on est bien, 1-0, moi je prends. Hein. Déjà 1-1, j'étais content. 1-0, c'est cool. Alors, que va-t-il faire? Bon bah il vient, il tape un petit peu où il pouvait, un 2D, il va blitzer lui. Enfin il blitz pas lui, pardon, il voulait faire une esquive pour aller comme tout à l'heure. Esquive qui ne passe pas. Et puis ben moi j'ai pas grand chose à faire. D'ailleurs je ne fais rien d'autre. J'ai plus de reroll. On va pas faire un double skull. J'avance juste ma petite furie pour qu'elle soit à portée d'aucun nain. Et je marque à mon tour 16. Parce que j'ai pas envie de me prendre de la bâche sur son tour 16. Puis là on tape un petit peu. Voilà. On tape un peu du nain. Après tout, ils l'ont bien cherché. Bon, puis après je voulais faire une esquive pour amener, pour marquer celui-là, ce qui servait à rien en vérité, hein, mais bon, c'est pas grave. Cette esquive n'est pas passée. Et ben lui il va taper, de toute façon il peut plus choper le porteur de balle, hein, vous voyez, lui est trop loin, lui j'en parle même pas. Ben on est bien là. On est bien, on a la balle. Il me reste un tour à jouer. Il met un mec dans le public. Normal. Il va blitzer avec son roule mort. Qu'on a fait un KO, mais après il n'a pas été très. De toute façon, il a fait un match moyen pour un joueur nain. Hein. Il a fait 2 KO. C'est pas énorme hein, quand vous tapez sur de l'armure 8 avec une châtaigne. Deux même, je crois que du roule mort il y a une châtaigne. Hein. Avec deux châtaignes. Bon, je peux pas me plaindre, hein, j'ai de la chance. Mes armures ont mieux tenu que contre d'autres matchs. Hein. C'est aléatoire. Hein. Voilà, il doit taper celui qui est là, j'imagine. Ah il fout lui. C'est un solitaire hein, donc. Non c'est même pas un solitaire, salaud. Non il le fout mais bon ça passe pas. Y a pas grand intérêt à faire ça mais et puis ben ma foi je vais marquer et mettre mon deuxième touchdown. Je suis très content parce que je pensais vraiment pas gagner le match. Je m'étais dit vraiment dans le meilleur des quads. C'est pas la première fois que je dis ça, mais je pensais vraiment. J'aurais aimé, dans l'idée, avant de jouer le match, j'espérais arracher un nul. Voilà. J'ai eu de la chance. J'ai réussi à gagner le match. Donc c'est cool. Enfin, c'est cool. On s'en fout, hein, en fait, mais c'est cool. quoi de spécial après Ben rien, si je vais vous montrer la petite équipe maintenant. Et ben la Fury elle a pris un plus un d'agi. Donc on a pris. J'ai hésité, hein. J'ai hésité à lui mettre. Je trouve que ça fait cher après, mais bon voilà. Et puis j'ai un blitzer qui a fait un level up. Je lui ai mis tacle. Parce que j'ai pas de tacleur et de mémoire, il doit me rester encore un orc. Du skink, enfin une équipe de lézard. Donc tac, ça peut servir. Et j'ai encore du Sylvain. Ça c'est à la fin je crois. Et j'ai les deux Skaven, j'ai pas encore joué contre Skaven. Donc mine de rien, avoir un petit tacleur ça fera pas de mal. J'ai 90 en trésorerie, j'hésite encore mais je pense que je vais pas le faire. Je vais encore garder un solitaire. Soit je pouvais acheter un petit le petit lanceur hein, elfe noir. Ce qui pourrait être pas mal de jouer en cage contre et les elfes et les sylvains et les gutters. Ce serait peut-être pas déconnant de jouer une espèce de cage. Ou un assassin, ce qui peut être drôle, hein, contre des gutters et contre des elfes sylvains. Mais j'y crois moyennement moi, cette option-là. J'aime pas du tout le joueur. Par contre, si je gagne 130 de plus, je peux m'acheter une furie. Donc je pense que je vais patienter gentiment. Espérer que je prenne pas une misère. Puis au pire, si je prends une misère et que j'ai un blitzer qui crève, une connerie, je gagnerai 10 000 au minimum. J'aurai 100 000, je pourrais toujours m'acheter un blitzer. Donc ça sera soit Fury, soit Blitzer. Donc ça dépendra de combien on gagne.
Mais je vais jouer encore avec un solitaire, c'est pas grave ça. De toute façon, un solitaire à 4 d'agi, au pire il prend des baffes, au pire il fait une esquive, puis il loupe, quoi. Faut pas commencer par jouer ce type-là, quoi. Ben voilà pour mes petits braves elfes noirs. Je suis content de l'avancée de cette équipe, hein. 4-2-0, je suis pas mécontent, hein. Je suis pas. Voilà, je suis content. Je suis content de rejouer elfe. Je suis content de jouer elfe noir tout court. Une équipe que j'aime bien. Voilà, je prends beaucoup de plaisir avec. Eh ben écoutez, il nous reste plus qu'un match pour clore cette journée-là. On fait en vérité deux, mais on a un des joueurs qui ne montre pas signe de vie depuis quelque temps maintenant. Du coup, je pense que ça sera son troisième forfait. Un peu dommage pour tout le monde d'ailleurs, pas que pour lui, mais surtout pour les autres. Je m'en excuse d'ailleurs pour les autres, tous les joueurs qui participent à la ligue. Hein, mais j'avais pas envie de le remplacer alors qu'on est déjà à la journée 6, quoi. Je trouvais que c'était vraiment pas idéal. Bon, c'est comme ça. Je m'en excuse en tout cas. J'aurais préféré que ce soit pas comme ça, mais bon. C'est indépendant de ma volonté, vous vous doutez bien. Donc il reste deux matchs pour clore la journée 6, mais je pense qu'en vérité il n'en restera qu'un et que celui qui l'a clos, c'est ce soir. Je crois que ça se joue ce soir le match. Donc demain après-midi, si j'ai le temps, c'est pas trop, j'essaierai de faire un petit point sur la journée qui vient de s'écouler. Le classement, toutes ces conneries-là, les XP, les équipes, on vous raconte un petit peu où on en est. Et puis je lancerai la journée suivante. Allez, à très bientôt les gens, bye bye!